Anna et Laetitia Bruno, Anya Como, Barnabé Arelus et famille, Beauvais Boud, Betty Exumé, Catus Camille Mirville, Chantis et Maradona Jean, Christina Cadet, Dodd Whitney, Désir Altagrasse, Eugénie Décom pour son anniversaire de naissance, Fabienne Éveilleur et Adonis et famille, famille Cadet, famille Charles, Donna Luc, Fred Altiné, Jean Baudelaire, Saint-Ville, famille Louise Cléone, Gabriel Xavier, Gerta Louis-Saint et famille, Grégory Laurent, Howard Kelly, Laurent, Marie-Myriam Laurent, Jamir Kate Loiseau, Marie-Rosette Laurent, James Lay Loiseau, Hermonis Saint-Ville, Hermonis Sylvain pour son anniversaire de naissance, Ima Camille Pierre, Jackson François, Jess Baseline Jacob, Joachim Nathaniel Souffrant, Olivier Jean-Daniel Souffrant, Zola Marie Souffrant, Nancy Durosier pour son anniversaire de naissance, Malaïsa Anderson, Herman Durozo, Jean-Dominique Durozo, Gina Aloui-Dor Philippe, Patina Philippe, Joseph Wenchel Lucien, Altagrasse D. Lucien et famille, Marie Ketura Desormeaux et famille, Royce Melchiovic Therma, Solange Léon, James Jennifer Léon, Marie Carmel Desormeaux, Williamson Deravine, Daniel Gabriel Sidney, Robert Lucien Marseille, Abishai Boutique, Awe Somli You, Katiana Philippe pour son anniversaire de naissance, Katiana Philippe, Kerline Abela et famille, Kathleen Paul, Kathleen Flore Prophète, Kathleen Paul, Maricia François Paul et famille, Medjine Lefouy, Lancy Thion, Louis-Gérard Pierre-Louis, Malconner Fleurimont, Maggie Gaston-Paul, Marie-André Kerline Augustin, Marie-Denise André et Luc Ner Antoine pour leur anniversaire de naissance, Marie-Josée Boncoeur et famille, Marie-Lou Germain, Marie-Solange Loréus, Marie-Sony Louis, Marise Désir, Maison Denise, Agena et famille, Mimi Pierre-André, Madame Gladys Eliadin, Farah Petit, Taina Petit, Madame André Noël et famille, Madame Eliker Lamour et ses enfants, ses petits-enfants, Madame Josette Chandler, Madame Nadège Dauphin, Nancy Durosier pour son anniversaire de naissance, Nicole Sanders, Pierre Richardson et famille, Planis Jean-Louis, Rosemont Cosme, Sadia Médard, Schneider Verdieu, Serge et Dimitri Bordenave, Serge Kirby, Henri et famille, Willens Dario Pierre, Edith Pierre-Louis, Xavier Jambard et Maalia Jambard pour leur anniversaire de naissance, Yves Lino, Emmanuel Darlo Cantave, Yves-André Fefe, Francky Saint-Éloi et famille, Monette Deus et famille, Milo Anne-Taylor et famille, Hope et ses employés, Elsie Saint-Louis et famille, Gracia Saint-Louis, famille Théo Gabriel, Giovanni David Cornet, anniversaire de naissance, Daniel Jordani, Marc-Olivier Adé, Giovanni Adé. Messe d'action de grâce recommandée par Myrna Templier et famille, Neissa et Olivier Crèvecoeur, Parnell Danel,
François, Paulette Janiton et famille, Quincy et Bird Cajuste et leurs enfants, Woodley, Antime Louis, Vanessa Laurienne Pierre-Louis, Woodley Antime Pierre-Louis, Vanessa Laurienne Louis, Laurienne Pierre-Louis, Gina Racine, Victoria Thévenin, Rose-André Bigor, Sergine Lermite, Sergine et Jovin Lezo, Shirley Horacius, Solange Léon, James Jennifer Léon, Marie-Carmel Desormeaux, Williamson Deravine, Steve Durand, Jean-Marie Moïse, Ulcy Naomi, Ernley Jules, Herme Jules, Victoria Souffrant-Thévenin, Docteur Lourdes Marie Belotte. Messe d'action de grâce au commandé par Alain Gentil, Rose-Laure Charles, Bernadette Hippolyte, Révérend Père Jean-Gilles Mémé, Octave et Kathleen Dorissant, Jodeline Dorissant et famille, Docteur Julmine Louis, Bernadette Hippolyte, Révérend Père Jean-Gilles Mémé, Octave et Kathleen Dorissant, Bertolère Vertil et famille, Kathleen Marcellus et famille, Dany Pognon, Darnel Emmanuel Thomas, Docteur Claude Hippolyte et famille, Ali Hippolyte et Connor John, Marie-Josette Hippolyte et famille, Dominique Hippolyte et famille, Kerline Lermite François et famille, Docteur Franck Châtelain, Edeline Noël et famille, Jean-André Josué et famille, Edith René, Edith et Alex Desormeaux, Alexa Sylvia Desormeaux, Sylvie et Maurice Tiadem, Nathalie Tiadem, Elie Noël et famille, Elisabeth Boucher, Emmanuel Théodate, Janut Théodate, Erline César, Esther Hippolyte Dédé, Martin Max Wolf Dédé et famille, René Innocent et Jasmine Dédé, Betsaïda Zachary, Gabriel Samir et Seiji Dédé, Jocelyne Louis et famille, Eunice Gaston, Max Gaston, Gabriel Gaston, famille Guy Châtelain, famille Bradel et Francesca Lucas, Fernand Frédéric, Danny Dominique Pognon, Franz Samy, Betsy Christophe, Abigail Chaynazil, Jenan Christophe, Alia Marie Cliburn, Ava Michel Cliburn, Elimène Frontil, Gaël Jean-Plaisimont et famille, Gina Labissière Racine et famille, Gina Racine, Victoria Estévenin, Ginette Villemont et famille, Lénine Lebrun et famille, Myriam Lebrun et Blanchard et famille, Giovanni Filosi et famille, Madame Dieudonné bien-aimée, Hermione et Lionel Loture et famille, Erline César, Jacqueline Joseph, James Durand, Dorothy Durand, Isette Noël, Jocelyn Moïse et famille, Donald Moïse et famille, Marie-Gerta Moïse et famille, Joël Moïse et famille, Joseph Moïse et famille, Joseph Charles Dédé et famille, Marie-Claude Doris Américain et famille, Katiana Philippe, Kerline Abella et famille, Kathleen Derival, Nerland Jean-Baptiste, Larry Eliska et famille, Laurie Pierre, Hervé Trey Gaston, Docteur Marie Georgette Girard et famille. Marie Emilia Girard Robert et famille,
Leonardo Tardieu et famille, Liliane Persona Forceux et famille et ses petits-enfants, Monsieur et Madame Ernst Prophète et leurs enfants, Magali Saint-Louis, Maradona Joseph et famille, Gerda Alexis et famille, famille Sterling, Serge et Evelyne Lezo, Marie-Chaïna Edouard, Gabriel Emmanuel Werner, Marie-Carmel Myrtel Thomas, Marie-Junior Courtois et famille, Marie-Hélène Philippe, Marva Desrosiers, Tara Desrosiers, Marlène Lucas, Victoria Lucas, Wilaine Télémac, Géraldine Judith, Martine Jabouin, Rikive Martin Lalanne, Yamir Djoukaël Oksa et famille, Naël François, Marcise Lezo, Willy Grégoire Lezo, Marise Désir et famille, Mirland Mondestin, Duterville et sa fille Mia, Dani Compa, Bianca et Laetitia Compa, Louisette Siméon, Lézer Joseph et famille, Nancy et Docteur Patrick Durosier, Myrlène Saba, Maudeline Michel et famille, Alexandra Gantier et famille, Gerline Michel et famille, Jean-Carmel Noël et famille, Morgan Kennedy, Albert Drouillard. Merci et bonne participation. Exultons de joie, Dieu a envoyé son Fils nous libérer du péché par sa mort et sa résurrection. Chers frères bien-aimés, bonjour. En ce quatrième dimanche de carême de l'année B, nous sommes réunis dans la joie pour fêter, louer et remercier Dieu pour ses multiples bienfaits. Aujourd'hui, Saint Jean, dans son évangile, nous invite à croire en Jésus-Christ, lui qui nous a libérés du péché pour que nous soyons sauvés. Car celui qui ne veut pas croire sera jugé. Prions au cours de cette célébration eucharistique afin d'agir selon la vérité et que nos œuvres soient conformes à la volonté de Dieu. Levez-vous à présent pour commencer notre messe. En chantant ensemble, tu fais jaillir en moi des fontaines de joie. Thank you.
Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes le dimanche 14 mars de l'année 2021. C'est le quatrième dimanche du temps de carême, communément appelé dimanche de l'étaré. Réjouissez-vous. Au milieu de ce temps fort, qui est un temps de jeûne, de pénitence et de prière, dirait-on austère, l'Église, notre Mère, nous invite à la joie, à nous réjouir du salut de Dieu offert à tous en son Fils Jésus-Christ. Au seuil de cette célébration eucharistique, frères et sœurs, reconnaissons notre indigence, notre indignité. Reconnaissons que nous avons besoin de nous repentir et d'être sauvés par le Seigneur lui-même pour accéder à ce salut. En toute humilité, demandons à Dieu de nous prendre pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. À réconcilier avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils,
augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le peuple Israël, pour ses multiples infidélités, a été frappé, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, lui a ramené dans la terre promise. Écoutons cette lecture du deuxième livre de Chroniques, au chapitre 36, les versets 14 à 23. Sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes, et ils profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur. Le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de sa demeure et de son peuple. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent le temple de Dieu, abattirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et détruisirent ses palais avec tous leurs objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé pour ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigner par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem, en Judée. Tous ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, que le Seigneur, leur Dieu, soit avec eux, et qu'ils montent à Jérusalem. Parole de Méditons le psaume 136. Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie. Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie. De flemme de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenons de Sion, au peuplier d'alentour, des
Ma langue s'attache à mon parler. Si je perds ton souvenir, si je le mets Jérusalem au plus haut de ma joie. Dans sa deuxième lecture aux Éphésiens, Saint Paul nous montre que nous sommes tous des héritiers du royaume de Dieu grâce à la mort et la résurrection de Jésus. Écoutons-le au chapitre 2, versets 4 à 10. Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, il voulait montrer au long des âges futurs la richesse infinie de sa grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, parce que vous avez la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, il n'y a pas sans vanter. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Parole du Seigneur.
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean au chapitre 3e, les versets 14 à 21. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, bonjour. Comme nous l'avons dit dans notre monition d'entrée, nous célébrons en ce quatrième dimanche du temps de carême le dimanche de la joie. C'est la raison pour laquelle je porte
cette chasuble de couleur rose. La couleur rose qui symbolise la gaieté, la joie, l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Le motif de la joie qui marque ce dimanche est parfaitement justifié par la lecture d'aujourd'hui. Premier lecture que nous joignons dans le deuxième livre Chronique, chapitre 36, versets 14 à 23. Camper devant genoux, histoire, exil, peuple bon Dieu. Peuple Israël a été passé 70 années en exil dans le pays Babylone. Texte dit pour qui raison malin exil là tombé sous peuple bon Dieu qui t'a perdu contact avec racine li parce que peuple ça pas traité fidèle li t'a viré d'eau par bon Dieu qui t'a libéré et puis qui t'a mené dans terre promise là ça t'a pis mal là à ta chef yo pas respecté ni tant bon Dieu a ni contrat bon Dieu t'est passé avec peuple Israël là. En pile nan yo t'as exploité pauvre malheureux malheureux yo. Injustice à corruption t'as taillé banda dans pays ya. Mais bon Dieu t'a pral permettre peuple ya par l'entremise Cyrus roi Perse yo tourner sorti dans esclavage exil ça. Prophète Jérémie il était déjà annoncé gros événement que content ça lesquels il te dit que exil dans pays Babylone non gain pour finir un jour prophétie ça que il te fait t'a pral joindre réalisation dans l'année 539 lorsque roi Persio Cyrus t'a pral chavirer puissance babylonienne yo et il t'a pral prendre un décret qui t'a pral permettre tout esclave yo retrouver liberté yo puis retourner la caillou. Tout peuple bon Dieu t'a accueilli décret ça tant qu'une bonne nouvelle. Et puis ça t'a aidé à comprendre tout que pas gain rien qui ca empêcher plan bon Dieu à réaliser dans la vie yo même lorsque yo pas traité fidèle à bon Dieu. Pas gain rien qui capable empêcher plan bon Dieu à li réaliser dans la vie nous comme chrétiens. C'est pour ça les peuples Israël là t'est tourné sont dans pays exil là, yo te mette tête yo ensemble pour au travail pour rebâtir pays yo. Somme avec frère yo, ça qui t'est arrivé peuple Israël là dans histoire renvoyer nous, fait nous songer propre histoire pas nous. Journée jodia nous capable di les nous viriger pour nous garder dans qui condition que nous a vivre. Les nous attendre des nouvelles. Ces mauvaises nouvelles qui pour provoquer qui pour générer stress la caille non. Chirépite toute la sainte journée entre monde qui gain pouvoir avec monde qui aspire pour gain pouvoir. C'est misère à grand goût. Violence, vol, viol, kidnapping et assassinat, la mort sous toute forme. Eh bien, là, nous observons tout le bagage, ça y est, nous capables de dire, nous t'adouer dit, faut que nous mettions tête nous ensemble. Pour nous lutter contre ça, qui a détruit le pays, qui a détruit le monde qui vivent dans le pays, ça. Pour nous capables de refaire moral monde qui décourage yo. Pour nous capables de reconstruire l'état ça. Faut que nous capables de mettre tête ensemble pour nous prendre décision pour nous protéger l'environnement côté na vivre là. Et puis faut que nous travaille pour droit monde capable respecter. Faut que nous lutter contre toute forme corruption, toute forme injustice, pour transparence avec la justice capable de triompher. Ce n'est pas affaire un seul monde,
Tout le monde doit engager tête yo comme citoyen, comme chrétien. Tout le monde doit faire pour assumer responsabilité yo devant l'histoire. Deuxième lecture avec l'évangile là que nous sommes écouté à parler au sujet délivrance à condamnation. La foi à Xavier que nous devons faire pour nous montrer qui qualité la foi que nous gagnons. Celui qui croit en lui, en Jésus, ne sera pas condamné, mais quiconque ne croit pas est déjà condamné pour ne pas avoir cru au Fils unique de Dieu. Monde qui croit en Jésus-Christ, yo pas besoin de condamnation. Mais n'importe monde qui pas croit, yo déjà condamné. Yo condamné par le seul fait que yo pas croit en Jésus-Christ, seul petit bon Dieu. C'est une série de mots qui dit pour nous capable tendre. Une série de mots qui sortit pourtant en bas plume Saint Jean, le disciple que Jésus aima. Mosayo annonçait condamnation, mais au monter surtout ce Marie Frémio, importance la foi. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, est déjà condamné. Mais question pour nous capables poser tête nous ce Marie Frémio, est-ce que c'est tout le monde qui croit qu'a sauvé? Est-ce que la foi seulement suffit pour un monde dire que l'a sauvé? Question ça fait nous songer. Divergence, différence qui te paraît insurmontable entre catholiques et protestants dans le temps passé. Selon la doctrine protestante, la foi seule suffit pour un monde capable de sauver. Et la doctrine ça, elle est là depuis la réforme Martin Luther, elle était engagée dans l'année 1517. Contrairement à position ça, l'Église catholique basée à partir de la Bible là, l'était toujours affirmé la foi sans œuvre pacifie pour un monde sauvé. Alors ce Marie Frémio, pour analyser si la foi suffit pour un monde sauvé, axis œuvre nécessaire, l'Église catholique avec l'Église luthérienne là te réunis ensemble pour traiter question ça. Et dans l'année 1999, yo te signé un document qui relait Déclaration commune sur la doctrine de la justification. Nous te choisi pour nous quelques citations que nous te joignent dans document ça. Ce n'est que par la grâce, par la foi au Christ et à son œuvre salvifique, et non par aucun mérite, que nous sommes acceptés par Dieu, et nous recevons le Saint-Esprit qui renouvelle nos cœurs, nous habilite et nous appelle aux bonnes œuvres. Toujours d'après document ça. L'être humain dépend entièrement de la grâce rédemptrice de Dieu. Étant un pécheur, il est incapable de mériter sa justification devant Dieu ou d'accéder au salut par ses propres moyens. Et l'autre citation que nous gagnons encore de document ça, quand les catholiques affirment que l'être humain coopère à son salut, ils considèrent que l'acceptation personnelle est en soi un fruit de la grâce et non une action qui découle de la capacité humaine innée. Pour nous capables de conclure, d'après le document ça, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de nous justifier, c'est-à-dire de nous sauver, de nous sanctifier. Notre salut dépend principalement de Dieu, mais l'être humain à sa participation qui consiste à répondre à toutes les grâces que Dieu nous a données et qu'il continue de nous donner constamment pour être sauvés. Nous pas capables de sauver propre tête pas nous
à partir de mérite pas non. C'est bon Dieu seul avec la grâce lui qui est capable de sauver. Mais nous de fait pour nous contribuer à salut ça, eh bien par l'entremise ou bien grâce à action nous yo. Bonnes œuvres que nous avons fait autour de nous-mêmes. Notre capacité à accéder au salut par nous-mêmes est telle que même la capacité de répondre à la grâce divine ne vient pas de nous, mais de Dieu. C'est ça qui fait Saint Paul, dans la deuxième lecture, il dit nous, miséricorde avec l'amour bon Dieu a si tellement grand, parce que nous sommes en bas pour voir la mort à cause du péché nous yo, et que ce grand Messie Christ là, par l'entremise lui, que bon Dieu vienne sauver nous, lui ban nous accès à délivrance là. Qui donc c'est grâce à générosité Christ là, faveur lui yo, grâce à chemin que lui tracé pour nous, hein, que nous capables de nous sauver. Chemin ça, c'est chemin remède, c'est chemin pardon. En effet, vous avez été sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vous est pas dû, mais c'est un don de Dieu. C'est ça que nous sommes écoutés dans la deuxième lecture. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 10. Sommes avec Frémio, faut nous mettons tête ensemble pour nous construire communauté paroissiale noire, pour nous construire pays noir. Si nous faisons un petit bac dans l'évangile là encore, sur Marie Frémio, l'évangile là dit nous, qui ça qui la cause du monde qui a condamné? Ce n'est pas bon Dieu qui a condamné nous, mais c'est à cause, eh bien, œuvre nous. Mais ça, l'évangile là dit nous, qui est capable de causer un monde condamné. La lumière étant venue au monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ça que fait un monde capable de condamner, c'est s'il choisit vivre dans le fait noir au lieu que il choisit vivre dans la lumière. Lumière, ça, ce qu'il est, c'est Jésus-Christ. Qui vient pas pour condamner le monde, ça, mais pour être capable de sauver tout le monde qui vit là-dedans. Ça veut dire préférer fait noir à lumière. Cela consiste à croire en Jésus, à le suivre, à essayer d'être comme lui et d'agir comme lui. C'est ça veut dire préférer lumière au lieu pour préférer vivre dans le fait noir. C'est croire en Jésus. Prendre décision pour nous suivre lui, imiter lui dans action lui, parler bon parole, parole qui porte la vie, qui porte cœur content. C'est dans façon ça, frère avec Samuel, nous qu'a montré que nous choisissons vivre dans lumière. C'est dans façon ça, tout n'a capable profiter tout bon vrai de faveur bon Dieu que lui fait nous joindre. Grand Messie petit lia, sans que nous pas mérité faveur sa yo, malgré infidélité nous yo, malgré révolte, rébellion nous yo. Dans la messe ça, ce Marie Frémio, en nous viré face nous, dans direction bon Dieu grand maître là. En demander pour faire nous docile en bas pouvoir l'Esprit Saint, pour nous toujours choisir li comme lumière qui a éclairé nous sur route là pour nous capable produire bonnes œuvres la foi dans la vie nous pour nous porter la vie porter Jésus by l'autre yo en demander bon Dieu faveur ça pour li ban nous assez audace et dévouement pour nous assumer responsabilité nous comme parents comme éducateurs comme monde qui gagne responsabilité dans l'état dans secteur privé là. En demandant bon Dieu la grâce pour nous engager tête nous, pour nous travailler, pour nous porter l'espoir avec la vie tout côté nous passer, pour nous travailler, pour nous transformer la réalité pays nous, yon pays, eh bien, capsimen désespoir dans le cœur petit lio. En demandant bon Dieu la grâce pour nous capable travailler, pour l'église nous capable de vivre plus belle, pour le monde capable de tourner tout bon vrai,
eh bien, côté, voyons bon Dieu a, il commence à s'établir et pour nous capables, dans le dernier jour, nous joindre pire la vie qui ne peut jamais finir. Et c'est faveur ça, grâce ça, nous demandé dans nos papa, petit là, avec l'Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, mes frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. L'Église universelle et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres que Dieu a choisis pour être porteurs de sa parole, afin qu'ils trouvent la joie dans l'annonce de la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Pour les responsables des nations, spécialement ceux de la nôtre, afin que la parole de Dieu arrive à toucher leur cœur et les aide à travailler pour améliorer la situation du pays. Prions le Seigneur. Pour toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, celles qui sont assoiffées de justice et de paix, afin qu'ils retrouvent la joie de vivre en Jésus-Christ. Prions le Seigneur.
pour tous les membres de notre communauté paroissiale, nous qui sommes ici réunis et tous ceux qui participent à cette célébration à travers les réseaux sociaux, afin que nous sachions ouvrir notre cœur pour accueillir dans notre vie Jésus qui nous a sauvés du péché. Prions le Seigneur. Encore le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tout pas tout,
Fils de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. La source de toute sainteté. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Max, le roi Mésidore et son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement ceux et celles pour lesquels l'Église prie aujourd'hui, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, les victimes de la guerre, les victimes de la COVID-19, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, les bienfaiteurs, les bienfaitrices de cette paroisse, tous ceux et celles qui célèbrent aujourd'hui un quelconque anniversaire, sur nous tous ici rassemblés, qui avons soif de ta présence, de ton amour, nous implorons ta bonté, ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altagrâce, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tout en respectant les consignes sanitaires, faisons un geste pour montrer à l'autre que nous tenons à lui, que nous l'aimons. C'est en lui la paix. Heureux sommes-nous ce matin d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
tout pas ta Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Comment nous y est? Avec Jésus, nous avons kembé, avec Jésus, nous avons lutté, avec Jésus, nous avons combattu. Avec Jésus, nous avons avancé sur route-là. Nous pas pour compte, nous, pas vrai? Jésus avec nous. Et bon Dieu, pour te une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Parole bon Dieu, pour te une bonne nouvelle pour nous, dis-nous, bon Dieu, remets-nous. Dieu a tellement aimé le monde. Bon Dieu, remets-nous. Pas j'oublier ça, non? Bon Dieu, remets-nous. Bon Dieu, remets-nous. Nous disons, bon Dieu, merci pour aimer, les gagner pour nous. Et j'en ai aussi chanté, je lance ma joie vers le ciel. Si à chaque moment, à chaque instant, quelle que soit l'épreuve, nous devons lancer la joie nous vers le ciel pour nous dire, bon Dieu, merci. Je lance ma joie vers le ciel pour dire merci au Seigneur pour notre frère et ami, révérend Père Pierre-Joseph Sévigné, prêtre du diocèse de Jérémie et prêtre de ma promotion, qui vient de célébrer cette messe. Ça fait quelques jours, il est avec nous à chaque fois, les deux passages à Port-au-Prince, il est ensemble avec nous. Merci Père Sévigné pour ça, vous voyez pour nous, merci pour l'amitié, merci pour le service que vous rendez l'église là, service que vous rendez paroisse là. Merci en pile. Merci aux ministres extraordinaires de la Sainte Communion, aux sacristains, aux ingénieurs de son, merci aux servants d'hôtel, merci à l'équipe liturgique, merci au comité d'ordre, accueil, comité d'offrande, comité de nettoyage, merci aux autres comités, merci aux musiciens,
Et merci à la chorale Fraternité. N'a pas trop bravo pour vous. Non seulement vous avez bien chanté, mais nous voyons tous en uniforme. Nous disons merci et nous félicitons. Bravo encore pour vous. Bravo pour les caméramens. Caméramens et techniciens nous yo, qui permettent à pile monde qui, quel que soit côté, est capable de participer dans la célébration. Je profite, pendant que je dis merci à caméramens Radio Télé Altagrasse, pour moi remercier Radio Télé Soleil La Foi qui a retransmettre la célébration. Hein? Et puis Radio Transfiguration aux États-Unis qui a retransmettre la célébration. Hein? Et tout l'autre média qui a retransmettre la messe. Là, nous disons toutes merci et nous remercier et saluer tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices qui vivent la célébration ça à travers radio, à travers télévision, à travers réseaux sociaux. Yo. Merci à nous toutes, frère Maxime, yo, qui est là, qui est présent. Bravo pour nous toutes, bravo pour nous chaque. Puis nous voyons l'œil à l'échanger. Donc, nous commençons la messe, là, nous faisons célébration jeudi en ancienne heure. Et mais dans la nouvelle heure, c'est qu'il est lié dans la nouvelle heure. Dans la nouvelle heure. Donc, à partir de demain, nous suivons. Nous reprenons l'activité, la programmation avec heure changée, nouvelle heure. Là. Et j'ai dit le dimanche dernier, ce n'est pas le seulement nous besoin pour qui changer, mais nous besoin pour la vie peuple haïtien changer. Nous besoin pour pays nous changer. Nous besoin pour condition la vie nous changer. Nous besoin la paix, nous besoin justice, nous besoin sécurité, nous besoin travail, nous besoin manger. Nous besoin manger dans l'assiette nous, nous besoin l'argent, non? Dans la poche, nous, n'a pas la prière pour ça, oui, pour que yon jou, nous capables de gagner manger, pour tout le monde capable de manger. Il y a trop de misère dans le pays. Il y a trop de misère dans le pays. Il y a trop de grand goût dans le pays. Donc, nous-mêmes, pays, nous pas de tout repos du tout, parce que chaque jour, c'est des dizaines de monde qui viennent frapper pour tout, qui viennent solliciter aide. Et nous comprenons la situation. Donc, il y a trop de misère, il faut que ça change. Et c'est nous-mêmes haïtiens pour qui mettons nous ensemble pour nous changer pays nous, pour nous pas n'engoumer, pour nous pas une écraser l'autre, mais nous devons mettre nous ensemble pour pays nous capable de changer. Encore une fois, merci à nous toutes, merci à nous chaque et n'a pas la prière pour ceux-là qui ont pouvoir pour utiliser pouvoir pour faire ça qui bien. Quel que soit pouvoir, pouvoir pour politique, pouvoir économique, pouvoir intellectuel, pouvoir social ou autre, quel que soit pouvoir que nous gagnons pour nous utiliser, pour voir que nous gagnons, pour nous faire ça qui est bien, pour nous aider, pour nous travailler, pour nous capables de gagner l'autre société, pour nous capables de gagner l'autre pays. Merci à nous toutes, merci à nous chacun. Je lance ma joie vers le ciel. N'a bien l'autre monsieur, et 8h30 dans l'ancienne heure là, 8h30 dans l'ancienne heure là, c'est ça? 8h dans l'ancienne heure là, 9h30 dans l'ancienne heure là, et puis 4h dans l'ancienne heure là. Frère Maxime, yo, messe en semaine, yo, a célébré aux heures habituelles. Pendant que nous avons dit bon Dieu merci, je lance ma joie vers le ciel. Joie ça, li habite tout. Pour moi, annoncez-nous que c'est une bonne nouvelle quand même. C'est une bonne nouvelle. Nous ne connaissons pas cela. Nous t'ai fait dans les 3 dernières années. Deux grandes acquisitions, propriété, fonds et bâtisse. Dans deux propriétés, ça y est, tu as gagné 5. Et pas seulement fonds, deux terrains, nous t'es acheté, fonds, et puis tu as gagné bâtisse, tu as gagné 5 cailles sous yo. Gagné un que nous, espace que nous casé deux maisons, que nous aménagé, nous fait parking, nous dit bon Dieu merci pour ça. Et m'a pas annoncé nous que dette que nous t'ai gagné hein. Il était en pile. Mais grâce à Dieu, grâce à contribution nous, à contribution en pile bienfaiteur, nous presque fin payer dette ça. Nous pas encore fini mais nous presque fini.
Nous disons merci. Merci parce que nous ne pas jamais suspendre porter contribution nous pour paroisse nous les capable aller de l'avant. Et nous est grâce à acquisition ça, nouvelle acquisition ça et grâce à contribution nous comment nous capable accueillir plus monde. Comment nous gagnons plus espace pour petit bon Dieu, pour petit bon Mario, venir la prière, venir recevoir la grâce et venir dire bon Dieu, merci. Nous bénissons bon Dieu pour tout ça qu'il fait pour nous, pour tout ça qu'il fait pour paroisse nous, pour communauté nous, pour tout ça qu'il réalise à travers nous-mêmes qui a supporté paroisse, nous-mêmes fidèles, nous-mêmes paroissiens, nous-mêmes pèlerins, nous-mêmes bienfaiteurs et bienfaitrices. Pendant que nous bénissons bon Dieu, nous implorons grâce et bénédiction bon Dieu sur nous toutes, sur nous chaque, nous toutes qui ne pas jamais suspendre aider, qui ne pas jamais suspendre poter, coller pour avancement paroisse et pour bonne nouvelle, nous sommes capables d'aller plus loin. L'autre annonce que nous gagnons, frères et sœurs bien-aimés, dans la messe 9h30, nous gagnons un comité urgence santé dans la paroisse qui a dit bon Dieu merci dans l'occasion anniversaire fondation. Yo. Et nous avons une rencontre avec le comité urgence très bientôt pour que nous soyons capables de discuter et puis comment nous sommes capables de renforcer, structurer davantage le comité. Ça. À 2h après-midi, nous avons une réunion pour les gens qui pour couple, couple marié et couple qui a préparé pour yo marié et couple qui a vivre en concubinage. Nous avons une réunion pour yo à 2h. Nous rappelons nous, jeudi, journée de récollection pour toutes jeunes, jeunes dans le groupe dans la paroisse. La journée de récollection, ça, l'a organisée à Pétionville. Donc, il y a un bus qui est à la disposition jeunes qui a participé dans la journée de récollection. Ça. Et puis, élève école La Foyo, rencontre pour eux, mercredi 17 à partir de 5h après-midi. Et puis, jeudi 18, clôture de la neuvaine à Saint-Joseph, vendredi 19, solennité de Saint-Joseph, messe aux heures habituelles et chemin de croix à 11h30 avec les enfants, avec les élèves et à 4h30 avec toute la communauté. Samedi 20 mars, journée de prière et de louange, messe aux heures habituelles et à 6h45 à midi et puis dans l'après-midi à 4h30 dans la chapelle Saint-Padre Pio. Et nous rappelons tout, travaux construction, chapelle Saint-Padre Pio, chapelle qui dépend de paroisse, travaux construction yo a avancé. Et nous remercions tout le monde qui portait contribution yo pour construction chapelle ça. Yon l'autre annonce importante, son rappel, à partir de demain, nous avons gagné dans l'église là, traversée du désert. Lundi 15 mars, au jeudi 18 mars, chaque jour de 3h à 6h30, n'a bien traversé du désert avec équipe Soleil La Foi. N'a pas nous toutes en grand nombre pour nous venir la prière, pour nous venir demander Jésus, aidez-nous monter maintenant, aidez-nous traverser le désert là pour nous capables arriver dans la terre promise. Donc, nous avons besoin pour nous prier davantage. Et les gens qui à distance, qui empêchent yo, yo capable suivre traverser du désert là sur radio, télé, Altagrâce et Soleil, La Foi. Frères et sœurs bien-aimés, l'autre annonce que nous gagnons pour nous, gagnons septaine de prières pour la paix, qu'a organisé dans l'archidiocèse là et dans plusieurs diocèses dans le pays. Là. Septaine de prière pour la paix. Septaine ça, la fête du 19 au 25 mars. La fête dans le parc Sainte-Thérèse de 1h à 5h p.m. Septaine de prière pour la paix. Archevêque l'un, Monseigneur Max Leroy Mésidor, lui convoquer nous tous pour que nous capables d'unir nous dans la prière pour nous demander la paix dans le pays. Pour que gagnent
nous capables de gagner une autre société, une autre Haïti. Donc, pendant que nous avons agi, il faut que nous continuions la prière. C'est peut-être de prière pour la paix du 19 au 25 mars au parc Sainte-Thérèse de Pétionville de 1h à 5h p.m. Donc, à ce fait-là, les invités nous tous pour nous capables de participer dans cette tête de prière-là. Et monde qui empêchait, la Kainou et l'église qui est loin, qui en province, qui est loin, monde qui n'a pas fait déplacement, et à ce fait-là, encourager l'autre paroisse qui est à distance pour yo ensemble, chapelle, pour yo organiser cette tête-là, pour que nous fassions une seule chaîne de prière pour nous implorer grâce, mon Dieu, sur le pays. Non. L'autre annonce, frères et sœurs bien-aimés, direction École Notre-Dame d'Altagrâce, section fondamentale et secondaire, avise les parents et tous les intéressés que les inscriptions pour l'année académique 2021-2022 se feront pour les classes de première, septième année fondamentale, première et septième année fondamentale, et du secondaire 1, du 15 mars au 30 avril 2021. Tous les jours ouvrables de 9h AM à 2h PM. Donc, direction École Notre-Dame d'Altagrâce, il fait tout le monde qui est intéressé connaître que l'inscription a déroulé dans l'école pour nouvelle année académique du 15 au 30 avril. Seulement pour les classes première année fondamentale et septième année fondamentale. Et puis pour secondaire 1. Nouveau secondaire 1. Donc, pour plus d'informations, nous sommes capables de passer dans la direction de l'école. Joyeux anniversaire à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. Pendant que il y a porté non pour moi, le monde qui a célébré l'anniversaire, nous disons bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. Nous attendons que vous fassiez nous joindre non. Nous rappelons le comité malade qui est sous paroisse là. En collaboration avec le clergé paroissial, mandez-nous, nous-mêmes qui sommes malades, la caille nous et dans le voisinage nous, qui pourquoi inscrit dans le registre paroissial pour nous inscrire pour le clergé paroissial avec le comité malade capable de rendre yo visite. Donc, nous comptons sur compréhension. Nous faisons appel tout à la générosité nous pour aider le clergé paroissial. Renforcer fonds de solidarité avec les démunis. Nous avons un fonds de solidarité qui crée solidarité avec les démunis pour que nous soyons capables de partager avec les gens qui ont besoin. Donc, tout le monde qui t'a voulu aider nous, renforcer fonds ça, qui t'a voulu renflouer fonds ça, nous sommes capables de faire ça, nous sommes capables de bailler contribution non en nature ou en espèce. En espèce. Ou bien en nature, nous sommes capables de bailler provisions alimentaires et autres pour nous capables de distribuer gens nous habitués faire. Donc nous demandons pour nous aider nous renforcer et renflouer fonds de solidarité avec les gens qui ont besoin, avec les gens qui ont nécessité. Nous connaissons pas un grand moyen, mais dans tout ça, bon Dieu, nous avons partagé, nous avons fait solidarité. Nous comptons sur compréhension nous et sur générosité nous qui pas jamais fait nous défaut. Merci en pile. Et puis, message pour aujourd'hui, hein, frères et sœurs bien-aimés. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Et nous gagnons prière, nous avons dit prière là, ensemble avec moi. Ton amour, Seigneur, est si fort que tu nous as envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver du péché et de la mort. En te rendant grâce pour ton amour inconditionnel, je te supplie de m'accorder la grâce de l'accueillir avec joie et d'en témoigner par toute ma vie. Amen. Clergé a proposé nous une bonne action. Bonne action,
c'est en s'inspirant de la liturgie de ce dimanche, communiquer la joie et l'amour de Dieu autour de soi. En s'inspirant de la liturgie de ce dimanche, communiquer la joie et l'amour de Dieu autour de soi. Bien, nous capables de tout, en vous inspirant de la liturgie de ce dimanche, communiquer la joie et l'amour de Dieu autour de vous. À partir de liturgie jodien, qui c'est dimanche la joie, qui c'est dimanche cœur content, côté parole, bon Dieu, fait nous connaître, bon Dieu, l'irémé nous, nous avons pour mission pour nous transmettre la joie, pour nous transmettre remède, pour nous montrer, mon yo, tout le monde qui autour de nous-mêmes, que nous remèdons, que nous avons pris dans les yeux nous, et puis pour nous contribuer, pour nous faire cœur content, pour tes cœurs contents, by l'autre. Il y a plus de monde qui est désespéré, il y a plus de monde qui est attristé, mais nous-mêmes chrétiens, nous sommes des porteurs de joie, porteurs de l'espérance, pour tes l'espérance, by l'autre. Pour tes cœurs contents, by l'autre. Communiquer la joie et l'amour de Dieu autour de vous. Voilà l'action que vous avez à accomplir, que nous avons à accomplir ensemble. Encore une fois, merci à nous toutes, merci à nous chacun. Nous dit joyeux anniversaire à Eugénie Deshommes, à Héronie Sylvain, à Nancy Durosier, groupe Les Enfants de la Vierge d'Altagrâce. Joyeux anniversaire à Katiana Philippe, à Marie-Denise André, à Luckner Antoine. Luckner Antoine, notre collaborateur à la paroisse, à l'église. Xavier Jean-Bart et Mahalia Jean-Bart. Joyeux anniversaire à Giovanni David Cornet. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à tout l'autre monde qui a célébré un événement heureux. Nous implorons grâce et bénédiction, bon Dieu, sur nous tous, sur nous chaque, qui a célébré anniversaire. Nous, c'est pour bon Dieu, remayant, bon Dieu, la vie, vide grâce sous nous. C'est pour mon mari, envelopper nous avec mantoli, et c'est pour Saint Joseph, la prière pour nous. Invitez-nous avant de nous recevoir bénédiction. Et persévérer pour nous unir nous dans la prière, pour nous continuer unir dans la prière, pour nous saluer maman nous, la Vierge Marie, et puis pour nous faire prière Saint-Joseph que Père Joseph, Pierre-Joseph Sévigné va le faire ensemble avec nous, prière Saint-Joseph. Et prière nous, intention nous aujourd'hui, c'est pour tout le monde qui a célébré un événement heureux dans la vie. À nous saluer maman nous, Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière à Saint Joseph. Ô glorieux Saint Joseph. Ô glorieux Saint Joseph. Chef de la famille de Nazareth. Chef de la famille de Nazareth. Si zélé à pourvoir à tous ses besoins. Si zélé à pourvoir à tous ses besoins. Étant sur nos familles. Étant sur nos familles. Nos proches. Nos proches. Et nos communautés ta tendre sollicitude. Et nos communautés ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite. Prends sous ta conduite. Toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent. Toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent. Et fais que leur issue. Et fais que leur issue. Soit pour la gloire de Dieu. Soit pour la gloire de Dieu. Et le salut de nos âmes. Et le salut de nos âmes. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alors merci à Père Francky et à tout le clergé de cette paroisse pour son accueil. Merci pour l'accueil de tous les membres du personnel. Merci pour votre accueil, chers paroissiens, et déjà,
Je vous souhaite de profiter de ce temps de carême pour vous approcher un peu plus de Dieu, pour faire cette expérience d'intimité profonde avec Dieu. Et bon dimanche, bonne semaine. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Oui, Père, oui, Père.